Ce n'est pas un miracle ordinaire, c'est peut-être l'un des plus grands qui soit jamais arrivé. L'histoire que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer à jamais votre vision de la vie et du monde. Qu'est-il arrivé à une jeune fille de Villebrume? Une ville tranquille du sud de la France, c'est vraiment extraordinaire. Cet événement a suscité l'intérêt non seulement de la communauté locale, mais aussi de l'Église, qui enquête actuellement sur cette incroyable révélation. Au centre de cette histoire se trouve Lucie, une jeune fille de 11 ans dont la vie a subi une transformation profonde et inattendue. Mais avant d'entrer dans les détails, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires à venir. Lucie est une fille simple, élevée dans une famille modeste. Ses parents travaillent dans une usine locale et consacrent une grande partie de leur vie à assurer un avenir meilleur à leur fille unique. Malgré sa vie modeste, Lucie a toujours été entourée d'amour et d'affection et a développé une foi profonde qui l'a accompagnée dans les moments difficiles. Mais ces derniers mois, la vie de Lucie n'a pas été facile. On lui a diagnostiqué une maladie auto-immune rare qui l'a obligée à passer une grande partie de son temps à la maison, loin de ses amis et de l'école. La maladie, qui provoque des douleurs articulaires et une grande fatigue, l'isole du monde qu'elle connaît. Cependant, Lucie trouve du réconfort dans la prière, passant des heures dans la petite église de Montauban où elle se sent plus proche de Dieu. Tout a commencé un matin de printemps, une journée qui semblait normale, mais qui allait bientôt devenir inoubliable. Comme elle le faisait souvent, Lucie se rendait à l'église pour prier, dans l'espoir de trouver un soulagement à la douleur qui la tourmentait. Alors qu'elle s'agenouillait devant l'autel, les lumières de l'église commencèrent à scintiller et une chaude lumière dorée l'enveloppa, remplissant l'air d'une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. À ce moment, Lucie sentit une présence à côté d'elle. Le cœur battant, il leva les yeux et vit devant lui une silhouette lumineuse qu'il reconnut immédiatement comme étant Jésus-Christ. Lucie, la voix tremblante mais le cœur plein d'espoir, murmura « Jésus, est-ce vraiment toi ?» La silhouette lumineuse hocha doucement la tête avec un sourire qui transmettait l'amour et la compréhension. « Oui, Lucie, c'est moi, » répondit Jésus d'une voix qui semblait résonner dans son cœur plus que dans ses oreilles. « Je suis venu vous apporter un message d'espoir et vous donner la force d'affronter votre maladie. » Lucie, qui jusque-là avait tenté de cacher sa douleur, a finalement laissé couler ses larmes. « Pourquoi cette maladie m'est-elle arrivée? Pourquoi dois-je souffrir autant ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant à force de pleurer. Jésus, avec une douceur infinie, lui répondit « Lucie, ta souffrance n'est pas vaine. Chaque douleur que tu endures avec foi et patience apporte la lumière au monde. Votre maladie est une épreuve difficile, mais c'est aussi une opportunité de vous rapprocher de moi et de devenir un exemple de foi pour les autres. Je t'ai choisi parce que ton cœur est pur et que ta force intérieure sera un guide pour ceux qui vivent dans l'ombre. » Les paroles de Jésus ont insufflé un nouveau courage à Lucie. Mais que dois-je faire? Comment puis-je apporter de l'espoir aux autres si je souffre moi-même de la douleur? A-t-elle demandé, déterminée à trouver un sens plus profond à sa souffrance. Vous devez continuer à prier, à vivre avec amour et à partager votre histoire avec les autres, a répondu Jésus. Votre exemple montrera que la foi peut perdurer même dans les moments les plus sombres. Dites aux autres que l'amour et l'espoir sont les forces les plus puissantes. Et souviens-toi, Lucie, tu n'es jamais seule. Je suis toujours avec toi et mon amour te donnera la force de surmonter tous les obstacles. Lucie sentit une vague de paix la traverser, un sentiment qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. « Merci, Jésus, » dit-elle en essuyant ses larmes. « Je ferai de mon mieux pour être fort et diffuser votre message. » Jésus sourit à nouveau, un sourire qui semblait illuminer toute l'Église. Chaque acte de gentillesse, chaque mot d'amour que vous prononcez apportera de la lumière au monde. Allez maintenant, Lucie, et partagez ce message avec le monde.
Avec ces mots, la figure de Jésus commença à se dissoudre, laissant Lucie enveloppée dans un sentiment de chaleur et d'amour. Il savait que sa vie avait changé pour toujours et qu'il avait désormais une mission à accomplir. La nouvelle de la rencontre divine de Lucie se répandit rapidement à Villebrume, une communauté qui vivait jusque-là paisiblement et unie. Mais cette révélation divise l'opinion publique. D'un côté, il y avait ceux qui croyaient fermement au témoignage de Lucie, la considérant comme une messagère choisie du ciel, symbole d'espérance pour tous ceux qui souffrent. De l'autre côté se trouvaient les sceptiques, qui avaient du mal à croire à une histoire aussi extraordinaire et mettaient en doute la santé mentale de la jeune fille. Imaginez si une fille de votre communauté prétendait avoir parlé à Jésus, révélant des messages d'espoir et de force, qu'en penseriez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions. Cette histoire vous touche ou vous laisse perplexe? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Alors que les médias locaux et nationaux commencent à s'intéresser à l'histoire, journalistes, théologiens et curieux se ruent à Montauban. La petite église, autrefois lieu de paix et de réflexion tranquille, est devenue le centre d'attention, avec des gens venant de partout pour entendre le témoignage de Lucie. Le curé de la paroisse a essayé de maintenir une approche équilibrée, en encourageant la communauté à réfléchir et à prier pour une meilleure compréhension de ce qui s'est passé. Même les parents de Lucie, initialement sceptiques et inquiets pour la santé de leur fille, se sont retrouvés confrontés à une attention médiatique sans précédent. Malgré la pression et l'inquiétude suscitées par sa maladie, Lucie est restée ferme dans sa version des événements, racontant son expérience avec une ferveur et des détails qui ne laissaient aucun doute sur sa sincérité. Il a parlé de la paix qu'il avait ressentie à l'église, de la vision du visage aimant de Jésus et des paroles de réconfort qu'il avait reçues. Son histoire, racontée avec tant d'innocence et de conviction, ne pouvait laisser personne indifférent. Certains croyants, profondément émus par l'histoire de Lucie, ont commencé à raconter des expériences spirituelles intenses après avoir visité l'église. Ils ont ressenti un lien profond avec le divin et leur foi a été renforcée. Cependant, tout le monde n'était pas prêt à y croire sans réserve. La communauté reste divisée entre espoir et scepticisme, entre foi et raison. Le curé, point de référence pour la communauté, a décidé d'adopter une position d'ouverture et de dialogue. Il a organisé des réunions de prière et de réflexion où les fidèles ont pu partager leurs expériences et leurs doutes. Il a invité des théologiens et des érudits religieux à participer, créant une atmosphère de discussion calme et respectueuse. Cette initiative a contribué à combler le fossé entre les factions opposées en cherchant à construire une compréhension plus profonde. Et toi, êtes-vous prêt à croire? Pensez-vous que des miracles peuvent encore se produire aujourd'hui? Ou faites-vous partie de ceux qui ont besoin de voir pour croire? Partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-nous ce que vous pensez de cette incroyable histoire. À mesure que l'histoire de Lucie se répandait, la pression médiatique augmentait. La famille a essayé de protéger le jeune Lucie de cette attention constante, mais les demandes d'entretien et les visiteurs curieux ne montraient aucun signe de ralentissement. Dans ce climat de tension, la communauté de Villebrume continue de vivre divisée. Sans aucun doute, cet événement extraordinaire a laissé une marque profonde, mais il a également mis en lumière des différences et des doutes qui semblaient insurmontables. L'histoire de Lucie a également attiré l'attention des chercheurs internationaux. Des conférences ont été organisées pour discuter de l'événement, analysant le phénomène sous différents points de vue théologiques, psychologiques et sociologiques. La rencontre avec Jésus a été interprétée de différentes manières et chaque opinion a ajouté un morceau à la mosaïque complexe de cette histoire extraordinaire. Dans ce contexte de réflexion et de débat, Lucie a continué à vivre son quotidien malgré sa maladie. Malgré la grande attention,
la jeune fille a réussi à conserver sa simplicité et son innocence. Sa foi inébranlable et pure est devenue une référence pour beaucoup. Six paroles, pleines d'espoir et d'amour, ont inspiré les autres à approfondir leur spiritualité. Mais quelle est la vérité derrière la rencontre de Lucie avec Jésus? Cet événement nous invite à réfléchir sur le sens de la foi et sur la possibilité d'expériences spirituelles extraordinaires. L'histoire de Lucie nous met au défi de regarder au-delà du visible pour redécouvrir la dimension spirituelle de notre existence. Quelle que soit votre position, une chose est sûre, la rencontre de Lucie a eu un impact profond et durable sur la communauté de Villebrume, et on en parlera encore longtemps. Maintenant, une question pour vous. Si vous aviez été à la place de Lucie, auriez-vous eu le courage de parler de votre expérience, sachant qu'elle aurait pu diviser votre communauté? Laissez un commentaire et partagez vos réflexions avec nous. Avant de dire au revoir, il y a une autre question importante à laquelle vous devez répondre immédiatement. Nostradamus a prédit que 10 événements terribles se produiraient avant l'an 2000 et l'an 25. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour en savoir plus. Pensez également à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Cela dit, merci et à la prochaine fois.